tout le monde peut être touché par la constipation et ce, à tout moment de la vie. C'est pour cela que vous devez identifier les moments durant lesquels vous souffrez de constipation, c'est-à-dire les périodes où vous allez à la selle moins de 3 fois par semaine, ou lorsque cela est douloureux. De plus, ces symptômes vont aussi de pair avec des maux d'estomac et des ballonnements. Pour résumer un peu les choses, la constipation est due à ce que le côlon est parfois trop lent à digérer et à évacuer les nutriments. Les principales causes de cette situation sont une vie sédentaire. Pour que le corps et tous nos organes fonctionnent correctement, il est nécessaire de mener une vie active et de faire du sport. Une alimentation faible en fibres, qui est la cause la plus courante de la constipation. En effet, une alimentation riche en fibres est la clé pour un bon fonctionnement du côlon. Des changements d'habitude, il est très courant que la constipation survienne lorsque nous voyageons, nous déménageons, ou lorsque nous consommons des aliments que nous n'avons pas l'habitude de manger régulièrement. Ainsi, voici quelques conseils pour soulager la constipation de manière saine et facile. Faites de l'exercice comme nous l'avons dit plus haut, il est nécessaire pour que le corps soit en bonne santé de faire du sport. En effet, une activité sportive régulière stimule nos organes et facilite l'élimination du bol alimentaire. Aussi, essayez autant que possible de marcher, nager, ou courir au moins 30 minutes par jour. Ne vous retenez pas, la constipation peut aussi apparaître lorsqu'une personne se retient trop souvent d'aller aux toilettes. Aussi ne vous retenez pas lorsque vous sentez la nécessité d'aller à la selle. Évitez les aliments industriels, évitez autant que possible, voire éliminez totalement de votre régime, la charcuterie, la nourriture industrielle, les frites et autres types de malbouffe. Ces aliments peuvent être très bons au goût, mais, malheureusement, ils sont aussi connus pour irriter le côlon, participant ainsi à son fonctionnement irrégulier. Découvrez cet article, d'excellents aliments pour nettoyer l'intestin. Évitez le fromage, les produits laitiers comme la glace, le fromage et le lait. Contiennent une protéine appelée caséine qui a tendance à empirer la situation, car elle aussi irrite le côlon. Ne prenez pas de laxatifs. Bien que nous puissions avoir accès aux laxatifs dans n'importe quelle pharmacie, il est conseillé, en cas de longue période de constipation, d'aller voir le médecin qui choisira de nous prescrire ou non des laxatifs adaptés à notre corps et à notre type de constipation. Consommez beaucoup de fruits, la grande majorité des fruits vous aidera à soulager la constipation. Cependant, il est recommandé de manger le fruit entier, sans le peler, car cela lui ferait perdre un grand nombre de fibres et de vitamines. Par exemple, la papaye contient des enzymes aidant à améliorer la digestion, c'est pour cela qu'il est bon d'en consommer un morceau, tous les jours, à jeun. Le jus d'orange est aussi conseillé pour accélérer les mouvements intestinaux. Prenez-le de préférence à jeun et tous les jours. Prenez du vinaigre de cidre. Le but du mélange que nous vous proposons ici est d'obtenir un laxatif naturel. Pour cela, mélangez une cuillère de vinaigre de cidre avec un peu de miel et d'eau. Cependant, n'en abusez pas, en boire une fois par semaine est amplement suffisant. Mangez des fruits secs de même que les fruits frais. Les fruits secs apportent au corps une grande quantité de fibres. Aussi, les pruneaux, les baies et les raisins secs font partie des fruits pouvant vous apporter de nombreux bénéfices. Utilisez de l'huile d'olive contre la constipation. Nous utilisons de plus en plus les propriétés de l'huile d'olive pour soulager de nombreux maux. Dans le cas de la constipation, prenez une tasse d'eau chaude avec un peu de citron et une cuillère d'huile d'olive, afin d'améliorer votre digestion et éventuellement perdre un peu de poids. Consommez des haricots blancs comme vous le savez. Déjà, le corps a besoin de fibres pour que le système digestif fonctionne correctement. Les haricots blancs peuvent ainsi vous apporter les fibres, les protéines, les vitamines et les minéraux nécessaires, fer, cuivre, zinc, phosphore, potassium, magnésium et calcium. Découvrez également 3 remèdes maison pour augmenter ses défenses. Manger des pommes. Manger une pomme par jour peut vous aider à améliorer votre situation. En effet, la peau de la pomme contient de nombreux antioxydants et des fibres nettoyant ainsi le côlon. Mangez-en régulièrement.
acidité gastrique, cet remède naturel. Bien qu'il existe des médicaments contre l'acidité gastrique, il est bon de savoir que certains ingrédients naturels peuvent s'avérer d'une grande aide. Lire plus Let's Block ADS.